Ah, dixas a tutes, dixas lus plabenguts din la vostra emission Occitan. Une émission nouvelle che cambio de forme et d'orari et che vous sera préposado cado dimenge. Et pel premier numéro, sen benguts a l'estibado de Rudes per nous intéresser à des musiciens, poètes et compositus famoses de l'edad mediana, lus trobados. Estiu l'estivado de Rudes metet a l'unu aqueles poetos del Languedoc que s'espandiguerun en Europa de la fi del segle XI fins al segle XIV. Concerts, conferències, balletis, mostro, lo programa del Festival Interregional de les Cultures Occitanes fuguet variat, amb en particular la participació de Francis Cabrel et d'un fund d'artistes occitans a una creació inédita de Claudi Sigre. Et pour n'apprendre mais sus premiers troubadus, s'en anats per començar al davant del grup Peiraguro, originari del nord d'Occitania. C'est pas un spécialiste de troubadus, mais savi que nous autres, Peiraguro, venen del Périgord, et c'est un Périgord que les premiers troubadours sont apparegutes, il y a force l'un d'eux, nous, s'appelaient Bertrand de Bourg, s'appelaient Geoffrey Rudel, Arnaud de Mareuil, Bernard de Ventadour, tout un petit monde qui, n'était pas des périgourdis populaires, qui étaient des nobles, de la noblesse del Périgord. Et savait que tout un cobre de Zanoir. Alors, Beléo, qui est Périgord, et dans cette ligne de Cantaire et d'Oc. Et cette tradition a changé de quicon, Beléo, dans la tradition musicale de Peiraguro? Alors, en Peiraguro, il n'y a pas cap de cant polyphonique. Parce que les troubadours ne sont pas des cantaires de polyphonie. Ce sont des hommes qui arrivent et qui cantent leur canzon, leur poésie. Et le cant polyphonique, comme en Bjarne, par exemple, en Gascogne en général, ne sont mais populaires que les troubadours. Ce ne sont pas des cantaires populaires, les troubadours. Ce sont des intellectuels, des médias sociaux et culturels élevés, mais ce sont des grands poètes. De grands poètes qui sont al cœur de la mostra Fabulous Troubadus, creato especialmente per questo estibado troubadurenco et qui butto à l'un locustat actual de l'urobro. Donc ici, c'est dans les archives départementales, dans la mostra Fargado per Sirdoc, mais à questo mostra, de que parlo, ça tocco? L'idée era de nous demander pourquoi. Et c'est un phénomène unique de l'histoire de la littérature mondiale. Pourquoi à quelle littérature occitane de l'Edad Mediana n'est pas seulement un élément d'étude des spécialistes, mais continue à l'ordre de vivre comme une art bio et continue comme référence, mais un peu de partout, pas seulement en Occitanie ou en France, trouvant l'héritage des troubadours, du Brésil à Californie, de Tokyo à Florence. Et donc il y a des mondes d'Occitanie qui ont travaillé sur cette question? Oh, merci à les grands penseurs et intellectuels occitans de la seconde moitié du siècle XX. Fin final, les troubadours ont tourné à part leur dimension extraordinaire et universelle. Pensez en particulier à Robert Laffont, Renat Dely et Félix Castan. Et les troubadours ont inventé l'idée d'amour telle qu'elle s'est répandue en Occident. Ce sont les troubadours qui l'ont analysé, qui l'ont codifié et qui peut-être ont contribué à faire passer ces théories dans les mœurs. Les comportements galants du XIIIe siècle sont en grande partie l'œuvre des troubadours. S'inventer le concept de finamour, mais en fait, qu'est-ce que la finamour est la recherche collective pendant 150 ans de la méthode de cousi atteigne l'amour le mai pur, mai fin, comme l'or. Et donc, c'est ça le concept de finamour. Mais pour l'époque, est complètement nouvelle. Oh, complètement, et puis il demeure encore une peu d'avant-garde dans la société actuelle, à quelle recherche déjà d'égalité perfecte entre les hommes et femmes dans la relation d'amour. Est central dans la poésie et la conception éthique du monde des troubadours. Et puis il y a des poétesses, c'est-à-dire qu'il y a des troubadours, ce qui est déjà un signe d'innovation dans l'Edad Mediana.
Et c'est ainsi donc, en 1137, qu'Aliénor entre, selon toujours l'expression de Régine Bernou, dans l'histoire. Reino de France au pays d'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine est présentée au public de l'Estibado pendant une conférence de les spécialistes Cathy Bernard et de la conteira Monique Burg. C'est bien que ici à l'Estibado pour parler d'Aliénor d'Aquitaine. Quel est son ligand en Belus Troubadous? Bah déjà, Aliénor d'Aquitaine est la réhile, le premier troubadour qu'on est chute, le premier de l'histoire, à savoir Guillaume Nau d'Aquitaine. Donc, à créchute dans cette ambiance troubadouresque, et donc, que c'est pour ce que disent Suzaco, Aliénor est ligade, de toute façon, à l'art troubadouresque. Et tu, Monique, une époque de que penses au sud d'Aliénor? Une offre dans l'Italie comme intérêt, parce que. Che sia che Aliénor o un'offenna di lui, io tutto sur lo dute, non può pas creire che un'offenna può fare tutto ciò che fai. E dunque io ho un studio per lo momento universale. Tanto le offenne non saranno accettate a egalità come gli uomini, tutto offenna che ora lo pude, io ho tutto un dute perché ho lo pude. E dunque mi interessa. Et donc justement, parlant del troubadour, mais il y a bien la troubadourite, c'est ça? La mai connue de DNTR est la comtesse de Dille. Et ce que nous dire d'une bière générale sur la création de la troubadourite, est qu'elle est une poésie mai crude, dans la mesure où la haine, c'est sap monde, monde des désirs. Et donc, qui va exprimer à ce désir de l'homme, ou les ricastes que peuvent avoir à l'homme d'une biais mais directe. Et donc, à même fin final, une poésie Berthe des Romains moderne, comme là que pouvait léger un saut de Louise Labbé, par exemple. Événement central del Festenal, une création inédite sur le Troubadour orchestrado par Claudi Sicre, figure emblématique de l'Empunuzita, cofondateur du groupe toulousain Los Fabulous Troubadours. Une artiste engagée qui dit la cause sans réserve. N'importe quel pays du monde qui aurait un patrimoine comme le Troubadour, il y aurait des films, des séries, des musées. Chaque ville où il passait un troubadour, il y aurait un musée du troubadour local, il y aurait des opéras, il y aurait de tout. Mais la France, pour des mauvaises raisons, ne l'a pas fait. Tous les savants français, européens et mondiaux savent l'importance des troubadours. Mais les intellectuels, les journalistes, souvent les journalistes, les intellectuels, les écrivains et tout ça, à un moment, ça les gêne que la grande poésie de la France du Moyen-Âge soit pas en français. Ça leur fait un blocage. Ça, c'est la parano française par rapport à la langue. Tu vois, l'Académie française, que la poésie française, la meilleure du Moyen-Âge, qui a fait tâche dans toute l'Europe et après dans le monde, ne soit pas dans la langue française, s'ils pouvaient réécrire tous les troubadours en français, et alors là, ils feraient des châteaux, tu vois, ils feraient des musées sur les troubadours. Mais c'est en langue d'oc, alors là, pas possible, c'est idiot. Donc, comme vous disiez, ce sont des rockstars à côté de l'Edad Medjan. La différence entre eux et les rockstars, c'est que c'était des gens savants. Ils faisaient la musique savante. Après, ils avaient des jongleurs qui allaient dans les marchés, tout ça, qui reprenaient un peu leurs chansons, qui les adaptaient pour la population. Mais c'était quand même quelque chose de court. Tandis que les rockstars d'aujourd'hui, c'est au contraire le plus large public qui les aime. Donc il y a une grosse différence qu'il faut faire entre les deux. La toupine est acabada, en carne. Moment fort de la serrada de d'ouverture, le rébiscol de la Tensu, une batteste ou giusto berbalo, un genre spécifique de la poésie au troubadourenco, avec comme convidat de nous, Francis Cabret. Je vois ici les élus. Ah, les élus. Chaque année au festival. Ouais.
sont-ils aussi assidus au conseil municipal? Bonne question. Et c'est la première fois depuis 700 ans qu'il y a de nouvelles joutes. Alors je demande au maire, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire chaque année? Avec Francis, on inviterait des chanteurs du showbiz, nos copains du showbiz, qui viendraient se confronter aux amateurs éclairés. Et Rodez deviendrait la capitale nationale et européenne de la joute poétique. Bonne idée. Et on va mettre sur les poumes une batteste, une giostre. C'est une idée que tout le monde a vu, qui est jamais fait. Et Glaude il l'a fait, et c'est content qu'il l'a fait. Parce que ça méritait de s'y faire comme accord. Et puis les anciens sont venus, et aussi Cabrel a joué le jour. Et comment fait plaisir de l'ouvrir et jouer comme accord. Je chanterai en Languedoc, et la magie opérera. J'imiterai le chant du coq et le soleil se lèvera. Et c'est à Pérus le roc que pour toujours tu m'aimeras. Trovador au Brésil? Ben, au Brésil, on parle des trovadores aussi, des repentistas. Ils ont toute une inspiration d'après la lyrique des troubadours. Enfin, voilà, j'apprends et j'essaie de mettre des musiques, quelques textes. C'est le mot troubadour, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, mais précisément ce qu'il contient en termes de poésie, ça m'a surpris parce que c'est vaste, c'est magnifique, c'est extrêmement novateur et c'est très sensible et vraiment j'ai adoré. Donc je suis assez ému par tout ça et du coup j'ai fait quelques chansons autour. Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Je suis né dans des rues où on parle occitan, donc je vois à peu près de quoi il s'agit chaque fois qu'on prononce une phrase. Mais je ne l'ai pas étudié, et puis après je m'en suis éloigné, mais au fil du temps j'ai rencontré des amis qui s'y intéressaient beaucoup, et qui petit à petit m'ont convaincu de m'en rapprocher, et c'est vrai que là maintenant je commence à m'y intéresser de nouveau. Chevalier Qatar pleure doucement. Les Chevaliers Cathares, c'est peut-être le premier pied que j'ai mis dans l'histoire de la région pour dire de façon officielle voilà de quel pays je suis, voilà ce qu'on a fait de la symbolique Qatar au bord d'une autoroute. Ça m'avait un peu tourmenté, disons. Comme un dernier tourment, au milieu des tumultes, en robe de ciment. Et c'est la première fois, c'est vrai, que j'affichais clairement. Mon régionalisme profond. Avons voulu mettre en musique une chanson, enfin, à notre vieille, une chanson de Francis Cabrel. Donc à cette serre, on en canta Ma place dans le trafic de Francis Cabrel, Mita Occitan, Mita Française, Suzu Rabadub. Okay. Personne, car j'ai le blues. Je vais décrocher mon téléphone et je fais le tout. Mahoresque, c'est bon, c'est le pays la débute il y a
Il y a des cançons de troubadours, que c'est le Cousta Amourous et le Cousta Cervantes, la canson revendicatrice et pas politique et tout à coup. Les troubadours ont porté la langue d'or, très la débute, ils n'ont su aimer les troubadours et. Les troubadours sont un partout d'une langue d'or, donc fin finale. Et si on compte, elle sera quitte même pour porter la langue. Fait nous pas le coup de l'être qu'à question émission s'acabre tout au lac au bus balio rendez vous la semaine au Québec pour une émission spéciale au Brac quant à vous d'ici en musique et vous désirez une bonne dimanche.